Eh bien, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur Resident Evil 4 Remake. Je vous avais demandé hein, sur la chaîne, j'avais fait un petit sondage et du coup je vous ai demandé si vous voulez bien que je fasse un let's play dessus. Et vous avez répondu à 77%, donc vous étiez une cinquantaine à voter. Et à 77%, comme quoi vous étiez partant pour un let's play. Du coup, eh bien, écoutez, on va démarrer ce let's play. Pour rappel, c'est un jeu que j'avais fait il y a très 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 longtemps. Donc la première version du jeu, hein, la version PC en plus, c'était je crois que mon deuxième let's play sur la chaîne, donc voilà, c'était vraiment un jeu que j'avais vraiment kiffé. Je l'avais déjà fait bien avant et le faire en let's play j'avais kiffé à ce moment là et du coup eh bien le remake qui est sorti et j'avais vraiment très envie de le faire hein. C'est pour moi l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Et comme maintenant j'ai la PS5, je voulais quand même en profiter. Et voilà, je suis content parce que je suis à la page. Enfin, je fais des jeux actuels qui sortent là et je les fais, hormis les jeux Nintendo. Donc je suis content. Je suis content. Donc on va se mettre directement là, en position. Alors oui, j'ai changé un petit peu l'angle de caméra parce que du coup, sinon je joue sur l'écran de gauche. Du coup, voilà, j'ai inversé un petit peu pour que ça soit plus que je regarde dans le bon sens. Donc dites-moi si ça vous dérange, pareil si la caméra à cet endroit là va vous déranger pendant le jeu. Je sais pas encore parce que j'ai pas encore du tout lancé. Voilà, on est sur le menu. Donc je vais lancer et puis écoutez, on va voir comment ça se déroule. Hop, on lance, on voit ça. Déjà j'ai hâte. J'ai hâte. Il y a pas mal de changements apparemment. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Alors je crois que j'ai un code pour un DLC parce que le jeu je l'avais précommandé. Bon, même si j'ai une histoire un petit peu compliquée avec ça hein. C'était un peu chelou. Au final je crois que je vais me retrouver avec deux jeux. Voilà, on va voir. Alors la nouveauté c'est que on peut mettre en français. C'est vrai que le premier RE4 il était en anglais, enfin les voix étaient en anglaise. Du coup je me tâte hein. J'aime bien la version anglaise, du coup j'étais habitué à ça, mais je me dis pour le let's play c'est peut-être plus agréable de le faire en français. Donc écoutez, je pense qu'à mon avis on peut changer à tout moment dans le jeu. Donc pour l'instant je vais laisser français, je vais mettre les sous-titres quand même parce que c'est vrai que c'est pratique, au moins comme ça vous voyez et vous pouvez lire en même temps. Donc ça c'est bien. Dans le premier jeu il y avait les sous-titres français, donc au moins ça c'était bien. Mais voilà, je vais laisser comme ça. Sortie audio télévision, bon, on va laisser ouais on va laisser, écoutez on laisse comme ça, tac. Dépasser le curseur soit jusqu'à ce que le motif soit à peine visible. C'est un peu trop là. Du coup, hop, comme ça. On verra bien. Est-ce que le motif est à peine visible? Oh, c'est un peu sombre ça. Là, il est à peine visible. Écoutez, on verra bien. Après, je pense que ça, on peut le changer à tout moment. Dépasser le curseur, au centre soit à peine visible. Bah là, il est à peine visible. Alors, je sais pas ce que ça donne pour vous, mais en tout cas, moi, c'est à peine visible. Après, à tout moment, écoutez, je peux changer. Donc, sont disponibles via accéder. Ok. Là. On s'en fout. Il faut tout. Ouais, d'accord, ok. J'accepte. Oui, bon, ça. C'est classique, hein, on va dire. J'accepte aussi. Ok. Ok, il y a des sauvegardes automatiques aussi, bon. Et ben voilà, on arrive du coup commencer. Écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bonus, non. Option. Non. Où est-ce que je sais que je peux mettre mon code PlayStation Store? Parce que j'ai un truc DLC, mais je sais pas. Boutique spéciale, peut-être? Non. Je vais essayer de regarder quand même.
Bon, bah, écoutez, je ne sais pas, je vois pas. Si jamais vous savez, parce que. En plus, j'ai eu des soucis avec le jeu. Pour l'avoir, au final, j'ai précommandé, mais quand je suis allé récupérer ma précommande, on m'a filé un jeu, mais c'était pas celui de ma précommande. Du coup, j'ai quand même reçu un mail avec un code DLC, mais je sais pas du tout le mettre. Donc, si jamais vous savez, bah, écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, écoutez, c'est pas trop grave, je pense que je peux quand même le mettre après par la suite. À mon avis, je crois que c'était juste pour avoir la mallette en or et tout, donc. Vous me direz, hein, je pense, si jamais vous savez. Voilà. Et on va faire l'histoire principale, hein, on va commencer, nouvelle partie. Il est possible de passer en mode facile lors d'un game over. Ou non, mais je vais laisser en standard pour l'instant. Voilà. Ça commence direct, hein. Ok, ça peut l'air très gay, hein. Septembre 1998. Une date gravée à jamais. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement, les missions éprouvantes ont presque ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là, la douleur, ne serait-ce qu'une seconde. Cette fois, ce sera différent. Il le faut. En tout cas, le jeu est très très beau, hein, quand même. Pour l'instant, de ce que je vois, enfin, c'est la cinématique, hein, mais la cinématique déjà est belle. Moi, j'espère que c'est pas trop sombre pour vous, hein, vous me direz dans les commentaires. Alors, Yankee, qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil? Tu sais, c'est le trou du cul du monde ici. Disons que je cherche quelqu'un. Ça doit être quelqu'un de très important, hein? Les ordres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. Bah, j'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Je me trompe. T'as un drôle de sens de l'humour, toi. Je vais te confier un petit secret. Et ça reste entre nous. Il y a pas mal de disparitions dans le coin. Et ça fait un bon moment que ça dure. Et bah alors, j'imagine que pour vous, ça devrait être la routine, non? Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû rechercher des randonneurs. Je suis certain que vous ferez tout ce qu'il faut pour m'aider. Bon, pour l'instant, ça commence plus ou moins comme le premier R4. Alors, j'ai laissé la caméra pour la cinématique, je peux peut-être l'enlever après, à voir. J'essaie de voir si je peux. Je reviens tout de suite. On verra la prochaine, du coup. Après, dites-moi si ça vous dérange ou pas, mais. Tu as bebido el bar entero? Cigarette? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? Eh ben dis donc, il en met du temps.
Il est tombé ou quoi? Eh, dis-moi, ça te dérangerait pas d'aller voir ce qu'il fait? Allons voir ce qu'il fait. Enfin, j'ai pas trop envie de voir quand même. Ce serait dommage de prendre une amende. Putain, tu pars d'une aide. Ok. Et donc là, j'imagine, on passe directement dans le jeu. Ou c'est la cinématique? Non. Ah oui, d'accord, on passe directement en mode jeu. Ah, chapitre 1. Bah écoutez, là, pour l'instant, ça m'a l'air d'être quand même plus ou moins joli. Dites-moi, hein, si jamais c'est trop sombre, mais... chercher le policier. Alors, est-ce que j'ai des touches? Non, si je fais ça... Si je fais ça, ok. Retour au jeu. Résultat, non. Ok. D'accord. Bon, bah écoutez, pour l'instant, je pense qu'on peut pas faire grand-chose. Est-ce que je peux retourner en arrière? Ah, je peux retourner en arrière. Vous savez, j'aime bien fouiller. Hein. Tu me dis un truc, Monsieur? Tu me dis rien? Non? Je peux pas retourner en arrière non plus. Ok, dans le premier jeu, on pouvait. Là, non. Bon, écoutez, je fouille. Hein. J'aime bien fouiller. Vous savez que j'aime bien fouiller. Et où mon chemin? Il est tellement sombre. Il est là-bas. Ok, bon, allez, on va quand même avancer. Hein. D'ailleurs, je sais pas combien de temps va durer la vidéo. J'en suis à... Oui, bon, après, j'ai fini l'ellipse, donc voilà, mais... Coucou, je peux pas rentrer, d'accord. Bon, t'es où, policier? Est-ce que tu fais... Tu fais pas la grosse commission, quand même. Ça serait un petit peu dommage. Il y a une bougie. What? Ok, il y a une bougie. Genre, il y a des mecs qui allument des bougies, là, comme ça, en plein milieu de la forêt. Bon, si jamais ça vous arrive de vous promener en forêt, vous pouvez toujours allumer des bougies. R3 ou R1 pour courir. Ok. Ok. Ou L3. Mais où est-ce qu'il est passé? Bah ouais. Où est-ce qu'il... Oula, des gros corbeaux. C'est pas très rassurant. Attendez, c'est bien des corbeaux, hein. Oui, c'est des corbeaux. Que je me trompe pas non plus. Écoutez, je suis pas ornithologue, hein. Bonjour. Y a des gens? Y a-t-il des gens ici? Y a... Ah oui. Aïe. Ça a l'air d'être un peu dégueu. Oui. Oui. Pauvre animal. Le truc, il a rien demandé. Avec des bougies, ça fait un petit peu sacrifice, hein, tout ça. Bon, c'est sombre, mais ça va, je vois. J'espère que vous aussi vous voyez. S'accroupir. Ah, ça c'est bien qu'on puisse s'accroupir. Oh. Nous arrivons dans une jolie maison très rassurante. Bonjour. Non, mais il n'y a vraiment personne. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui est parti faire le policier? À mon avis, je pense qu'il est parti se trouver un lavabo pour se laver les mains quand même, parce que c'est important quand vous allez aux toilettes, hein, ou même dans la nature, hein, si, surtout dans la nature. Lavez-vous les mains après. Donc je pense qu'il a dû demander à quelqu'un une salle de bain pour se laver les mains, je pense. Ça doit être ça. Peut-être que je me trompe. Mais à mon avis, ça doit être ça. Bah écoutez, on va rejoindre le monsieur dans la salle de bain, peut-être. Bonjour. Ah oui, on rentre comme ça. Bon, pas de sonnette. Ok, bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelqu'un? Oui. Oui, il y a quelqu''un? On va d'abord aller là, ici, peut-être. C'est peut-être la salle de bain? Non? C'est pas une salle de bain. C'est dégueulasse. Oui, c'est un petit peu crado, hein. Bon. Le ménage n'a pas été fait, j'ai l'impression. Et non. Ah! Qu'est-ce que c'est?
Allumette grossière. Le jugement approche. D'accord. Le jugement approche. Eh bien, écoutez. Et je peux. J'ai juste à regarder, c'est tout. Je peux rien faire avec, on est d'accord? Ok. Non. Écoutez, je peux pas la. Bon, ça me dit que j'ai quand même récupéré le document, je crois. Ok. Bon, ça va faire bizarre hein, de se mettre au goût du jour, du coup. J'ai. Resident Evil, c'est une licence que j'aime bien. Enfin, une licence que j'aime bien. En fait, c'est surtout le 4, hein, j'ai fait vraiment que le 4. Et du coup, c'est vrai que ça a changé du premier. Oula! Oui, ben j'ai pas de clé là. J'ai pas de clé. Et ça ne rentre pas dedans. Ok, c'est un petit peu. Asta, elle, Finn. Bon, j'ai fait espagnol, mais il y a très longtemps. Du coup, je ne saurais pas vous traduire. Malheureusement. Kiku. Désolé d'être entré comme ça. Busco a un policía. Dino aquí. Je remets le. Voilà. Merde. Comme ça. Oui, c'est. Oui, comme tu dis. Clé de la cave. Ok. Vous me dites hein, si ça vous dérange pas que je laisse. C'est vrai que bon, après, dans l'action, remettre la caméra et tout, c'est chiant. Mais vous me dites hein, si jamais je laisse la caméra ou pas pendant la cinématique, si ça vous dérange pas. Oui, dans la carte du policier. Ok, il y a du sang. Donc, bon, le pauvre. Il est parti 3 secondes. Comment il a fait son compte, Jean-Pierre, là? Document obtenu. Oula, ok, ça c'est le couteau. R2 c'est le couteau. Et ok, ça c'est pour... d'accord. Ok, est-ce qu'il le range tout seul? Je ne sais pas. Oui, ça m'a l'air de schlinguer. Ok, on fouille un petit peu, on regarde un petit peu. C'est vraiment dégueulasse, mais... Est-ce que vous avez bien mangé? Dites-moi, hein. Je pense qu'après vous avez plus trop faim. Donc du coup on a récupéré la clé donc pour la porte de tout à l'heure. Ok. Donc R2 c'est le couteau. L2 c'est pour le pistolet. Hop comme ça. Donc on va pas. Alors il me semble que le couteau il a une jauge d'usure. Hein. Donc avant, dans R4 normal, on pouvait l'utiliser tout le temps, le couteau. Là, il peut s'user et donc se casser, donc va falloir bien gérer le couteau et le réparer, tout apparemment. Donc, voilà, c'est le seul truc que je sais. Donc, on verra bien. Ouh, loulou. Oh là. Ah oui. Un peu le bordel ici, hein. Ça fait. C'est pas très rassurant. Ça change de la. Encore une fois, du premier R4, mais. Oh là là, bordel. C'est quoi ça? C'est un animal, je crois. Pas de documents à fouiller. Oh là. Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe?
Ok, donc il y a la radio. Le son, il sort sur la manette de la radio. Attendez, est-ce que je peux changer juste ça? Audio. Parce que, disons que, voilà. Hein, c'est un peu... Oui. Haut-parleur de la manette. Non. Voilà. Radio uniquement. Non, on va pas le mettre sur la manette parce que ça va créer un écho et tout. Je préfère le mettre dans les... Quand vous jouez de votre côté, c'est bien, mais... Voilà, en let's play, j'ai les écouteurs et tout, donc non, ça sert à rien. On va laisser comme ça. Bon. R2 tiré, ok. J'ai l'impression que t'es un peu mort, hein. Oui. Tu m'as l'air quand même bien, bien mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Et y a rien d'autre, hein. Je peux rien récupérer, non? Y a toutes des inscriptions en espagnol. En vrai, c'est super bien fait, mais par contre, je sais pas le lire. Si jamais vous avez envie de traduire, eh bien, n'hésitez pas. C'était quoi? Oh là là. Il y a du bruit. Non mais Jean-Michel il... Oh là! Putain, j'y crois pas. Ah, pop. Ok, bon couteau. Ouh, t'es plus vénère que ta première version, hein. T'es... Beaucoup plus vénère que ta première version, mon ami. Bon. On peut utiliser le couteau. Vous voyez, il y a une petite jauge hein, au-dessus du couteau. Comme quoi, on l'a utilisé pour se débattre. Par contre, ouais. Là, mon ami, tu es un petit peu plus résistant que le premier Ganados, je crois, qu'on voyait dans RE4. Bon. J'ai plus beaucoup de munitions. Il m'a fait des esquives, des feintes et tout. Bon. Il y a des mecs. Ouais. Attendez. Il y aurait pas des petites munitions ici, non? Non? Bah oui, mais c'est pas des munitions ça, c'est de la soupe. Vous voulez que je fasse quoi? Je vais pas me battre avec de la soupe. Bon, je crois que j'ai pas le choix. Le problème étant que... ouais. Alors, monsieur, écoutez. Ouh, il y avait une action à faire. Mêlée. Voilà. C'est bien. Allez, on va courir, je pense. Une herbe verte. Ok, c'est très bien. Y a rien ici? Non. Bon, j'ai plus de mun. Il me reste une balle. Je vais quoi avec une balle? Rien du tout. Parce qu'après, j'ai le couteau, quoi. Et oui. Bon, on voit que Ashley... Ici Condor 1. Ici Hannigan, tu es nouveau? La fille du président, Eglon. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas. Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. On escorte. Faut que j'y aille, je te rappelle. Ok, je me casse. Ok. Je pense que j'étais pas le bienvenu. Allez au lac. Ouais, alors attends mon petit pote. Juste, il y aurait pas des petites munes quelque part là? Non.
Je peux casser ça? Je sais pas si je peux casser. En même temps, j'ose pas trop utiliser mon couteau. Avant, on pouvait casser des tonneaux. Mais je sais pas si je peux le faire ou pas. Voilà, il y a rien qui m'a dit que je peux le casser. Mais à tous les coups, on peut le casser. Ah, est-ce que je tente? Non. Ok. Est-ce que ça a blessé mon couteau? Je sais pas. Je ne pense pas. La carte. Ok, donc on voit un peu la carte. Maison du chasseur. Ok, donc là on est... En fait, on était où, nous? On venait de là. D'ici? Je... Possible qu'on venait d'ici. Donc on a fait ça et on est arrivé ici. Ok. Bon, et bien là, ça doit être vers le village, alors. Ok. Bah écoutez, on va avancer tout doucement, tranquillement. On va peut-être trouver des mines. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, hein, si jamais je loupe des trucs... Si jamais vous avez fait le jeu, je sais qu'il y en a qui ont fini le jeu. Voilà, donc si jamais je loupe des trucs. Après, je compte pas faire un 100% non plus. Hein. Il y a le jeu en let's play et puis le jeu de mon côté, peut-être que j'irai un peu plus à 100%, mais voilà. Hein, en tout cas, pour le let's play, on va déjà le faire tranquillement, mais je vais essayer quand même de prendre des trucs sans... Enfin, essayer de louper le moins de choses possible, ça serait bien. En tout cas, la première maison, c'était quand même déjà plus punchy, on va dire, que le RE4 original. Mais pour l'instant, ça va. À voir le village, je crois que le village, je vais pleurer. On peut le dégommer. Ouais, mais il me reste une balle, je vais pas le dégommer, il me reste une balle. J'ai envie de le dégommer, mais en même temps, il me reste une balle. Je fais quoi avec une balle, moi? Ah! Ah oui! Munition x12! Ah bah si j'avais su! Ah bah si j'avais su! Et le corbeau? Oui? Lord Saddler? Non? Pas Lord Saddler? Le corbeau, tu veux pas revenir, non? Oh, dommage! Bon, c'est pareil, hein, voilà. Le corbeau, n'hésitez pas à me dire hein, si jamais. Je sais que les corbeaux avant ils rapportaient des trucs, des grenades et tout. Là je sais pas du coup. Je vais déjà casser ça. Donc quand il y a du jeune on peut casser dessus. La poudre noire. Ok, donc j'imagine pour faire des mines. D'ailleurs du coup... Ok, donc là c'est mon... Donc là j'ai mon couteau. J'ai mon pistolet. La malle elle est plus grande. La malle est plus grande. J'ai l'impression que la première malle qu'on avait. Donc ça, c'est bien. Artisanat. Ok. Oui, alors là, du coup, on peut vraiment faire un petit peu... Donc, il faut de la poudre noire. Taux d'appareil. Bonus, mallette et porte-bonheur. Ok. Donc, du coup, matériaux. Il faut quoi? Il faut... Ouais, ça j'ai. Donc la poudre noire et un bidule. Ils disent pas ce qu'il faut. Bon, j'imagine qu'on va trouver. Alors, hop. Attendez, quand même. Munitions, oui. Herbe. Ah, il manque quelque chose pour quand même pour en faire. Ok, bon. Bon, c'est vraiment pas mal de gestion. Ah, et on peut changer les armes comme ça. C'est pas mal. Je teste un petit peu les touches, hein, quand même. Documents, ouais, donc ça on les a vus. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, on peut revoir la truc, ok. Et donc là, c'est pour sauvegarder. Et oui. Et coffre. Permettre de sauvegarder votre progression. Dispose également d'un menu coffre. Stocker les armes. Ah, c'est bien ça. Bon, déjà, je vais sauvegarder ici. Coffre. Ouais. Ma mallette. Ok. Bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. C'est normal. Et c'est carré pour... recharger. Ok. Bah écoutez, c'est comme avant. Donc ça, c'est bien. Allez, on continue quand même. Hein, on va bien faire le village.
si j'ai le temps. Vous aurez un long épisode, je pense, pour un premier épisode, et puis second épisode, on verra pour faire plus court. Bon, alors là, on peut vraiment, en vrai, je peux tester, hein, mais. Pire, c'est juste une balle gâchée. J'ai l'impression que. Que tuer le corbeau ne fait rien. Ah si! Des pesetas. Ok. Bon, par contre, avoir les deux, ça aurait été un petit peu galère. J'aurais pas pu les avoir, les deux. Ouais, alors je suis dans de l'eau dégueulasse, c'est super. Là, il y a un truc. Là, ici, il y a un truc là-bas, non? Ah, attendez, là, il y a un... Je peux fouiller. Ah oui, des munes. C'est bien. Alors, pour l'instant, il est généreux en munes. Parce que, à mon avis, je pense que les mecs sont... costauds. Mais ils arrêtent pas de parler. Les mecs sont costauds, mais j'imagine que... Après, ça va être galère au niveau gestion des munes. Ah, ça, là-bas, je peux casser. Ok. Donc, on a des pesetas, ça, c'est pas mal. Il y a des gens, ici? Ah! Ah, merde. Non, mais, monsieur... Hop, là. Ouvrir inventaire. Oui, ben, écoutez, on va utiliser une petite herbe, je pense. Voilà. Histoire d'être un petit peu mieux. Bon. Ils sont... J'ai l'impression qu'ils sont quand même plus réactifs. J'ai pas fait la démo, hein, donc je sais vraiment pas du tout à quoi m'attendre. Donc j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus réactifs. Va falloir vraiment faire gaffe. Oui. Ah, des pesetas. Il va falloir vraiment faire gaffe. Ça risque d'être un petit peu tendax, quand même, je pense. Mais bon, on va faire au mieux, hein, écoutez. J'avais même pas capté qu'ils étaient là, en plus. J'entendais parler, mais je pensais que c'était au loin. Mais je suis vraiment débile. Dis pas que j'ai perdu de la vie pour rien. Je suis vraiment débile. Oui. Attendez, je l'ai vu, hein. Coucou. Mais... Ah oui, bah alors attendez, si j'appuie sur les touches en même temps, ça va pas le faire. Bon, ok, j'ai voulu lui faire une feinte, au final, c'est lui qui m'a fait une feinte. Non, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Grenade aveuglante, ok, ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Hein, j'aime bien faire n'importe quoi. Ouais, donne-moi tes munes. Purée. Hein, c'est ta faute, hein, mec. Aussi. Je m'attendais pas à ce qu'il allait vraiment direct. J'aurais dû courir là ici et le mettre derrière moi, mais et me retourner. Bon, on arrive au village, je crois. Ah, oh, purée. Oui. Jolie petite tête, hein. Ok, on arrive au village. C'est bien. Ça va être rigolo. Le village. Je vous rappelle qu'il y a un mec. Ah, il y a peut-être qui tombe. C'est rigolo. Je vous rappelle qu'il y a un mec, normalement... Alors, je pense qu'ici, il vaut mieux s'accroupir. Il y a un mec, normalement, avec une tronçonneuse. Ok, faut se mettre là. Ah. Ben, c'est l'autre policier. Ah oui, il le crame vivant, d'accord, bah oui. Ah mais, monsieur... D'accord. Ok, bah il est mort.
Oui, eh ben ils sont dangereux. Écoutez, on va peut-être passer par là, je pense. On va peut-être pas faire un direct. La carte. Ok, le village. Ok, bon. Est-ce qu'ils vont me voir ici, français? Là, il y a une plante. Bon, faut que je retrouve mes réflexes, hein, quand même. Là, dernièrement, je jouais à Spider-Man PS4. Vous savez, vous vous faites attaquer et puis vous... Tu me vois pas, tu me vois pas. Je sais pas si tu m'as vu. Ah, elle, je crois qu'on peut tuer discrètement. Mais c'est encore le couteau, hein. Bon, faut vraiment qu'on fasse gaffe au couteau. Bon, ça va. L'usure, il... C'est pas non plus trois coups et pouf. Ok. De la ferraille. Alors... Dans mes souvenirs, hein, on doit quand même faire tout le village. On va... aller là. Je sais pas où je dois aller en premier. Est-ce que vous pensez qu'il fallait aller là? Il y a peut-être des mines. Hein. Je vais peut-être d'abord fouiller. De la ferraille. Ce qui veut dire que je peux faire... Lui fabriquer des objets. Vous pouvez mettre une arme en raccourci, hein, c'est impossible d'assigner deux armes. Oui, bah pour l'instant j'ai qu'une arme. Ah, je peux pas mélange d'herbes. Voilà. Et pour l'instant je peux pas faire de. Il m'en manque. Ok. Bon. Vous ne me voyez pas. Oh, pardon monsieur. Pardon monsieur. Écoutez. On va aller... On va peut-être pas aller par là. Est-ce que je peux passer par les fenêtres, vous pensez? Non. Je crois que je pouvais rentrer. Évidemment, j'ai pas la clé. Y'a personne, c'est bon. On va ouvrir ça. Hop. Bon, pour l'instant, les mecs, ils me voient pas trop. Heureusement, je peux pas fouiller là-dedans, d'accord. Là, ok. Là non plus. Rah, je crois que je n'aurai pas le choix. Hein. Je vais devoir... mais vraiment devoir... Ouais. J'ai vraiment... Il y a pas la clé quelque part. Hein. Vous pensez que les mecs ils m'ont vu? Ah, un œuf. Ouh. Ah mais là, va me voir. Est-ce qu'on y va... Là, je tente... J'ai pas envie de tenter comme ça. Je sens que je vais me faire avoir. Bon, écoutez. Des fois, faut prendre des risques dans la vie. Est-ce que je tente de tuer lui là-bas? Mais si je tente de tuer lui là-bas, je vais me faire avoir. Hop, mêlé, c'est bien, il s'est pris dans son piège, ce con. Ouh. Et qui, baby. Bah oui. Messieurs. Mais oui, évidemment. Coucou.
Hop. Écoutez. Ça s'arrête jamais. Ah bah oui mais. Ah ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Oui mais d'accord, mais oui. Est-ce qu'il est possible de ne pas se prendre de coups ici? Ah! Oui! Ah ah! Oui, alors, je suis un petit peu mal placé, je crois. Voilà, ça c'est bien. Mais vous êtes nombreux en fait! Passage en force! Non! Non, passage en force. Oui. Non. Oui. À l'aide. Oh. Ou. A. I. O. Bon. Putain, j'y crois pas. Bon, alors normalement, de mémoire, il faut mettre les trucs. Voilà. Ok, l'autre il a. Oui, je crois. Je fouillerai plus tard. Il me semble qu'à l'étage, il y a un fusil à pompe. Je vais prendre le. Je suis obligé. J'irai plus vite. Ça, c'est cool. Ok. Ok. Hop. Ok, ok. Alors attendez. Ok. Non, comment je fais? Ok. Voilà. J'ai plus de mur. J'ai plus de mur. Ah. La campagne. Je suis un peu deg. Je l'ai pas tué. Sont partis. Bon, j'ai un peu d'ignorance, je crois que vous pouvez le tuer. Enfin, vous pouvez le tuer, vous récupérez de la thune. Bon, mais là, j'ai pas réussi à le tuer. Dans le temps imparti. Ouais. J'ai pas réussi à le tuer dans le temps imparti, du coup. Hey, je me suis fail. Enfin, je me suis fail. Je suis pas mort, mais. J'ai utilisé mes munes. Et je l'ai pas tué. Il est, oui, il est assez résistant quand même, ce mec. Fred. Ok.
Il est assez résistant. Oui. Bah écoutez, on va fouiller quand même. Perchoir à Condor 1, j'ai un accès au lac. Cherche un grand moulin avant. Il y a un chemin de l'autre côté. Un moulin. C'est noté. Sois prudent. Terminé. Ouais. Bon, écoutez, on va fouiller et puis on va pouvoir s'arrêter. Ces gens sont tarés. Non, il y a un point de sauvegarde après le village, il me semble. Donc, écoutez, on va prendre les œufs. Ah. Tiroir verrouillé. Bah ouais, mais j'aimerais bien l'ouvrir, hein, le tiroir. Je peux pas... Non. Non. Ok. Bon. Ah. Ah, faut être deux. Ah bah oui. Faut être deux. Mais je suis pas deux. Je suis tout seul. Ok. Bon, on fouille. Un peu deck quand même de ne pas avoir réussi à tuer le mec à la tronçonneuse. Bon, j'aurais bien aimé le faire. Mais c'est vrai que il arrivait plus vite, je crois, avant. Là, il est arrivé un peu plus longtemps. Et je crois que c'est... Je sais pas comment ça se passe. Soit vous devez survivre, soit vous devez tuer un certain nombre. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Comme c'est les remakes. Vous me direz, hein, si jamais vous savez. Alors, est-ce que j'ai loupé des trucs ici? Peut-être. Comme ça allait très vite au final. Ah. J'ai pas vu un... Non ? J'ai cru voir un truc. Ok. Oui, là, il y a des munes. Un spray. Mais non, mais utilise pas ton couteau. J'ai l'habitude, dans le premier RE, de faire ça. Pourquoi j'utilise mon couteau ? Il peut le faire à la main. Il y a rien d'autre ici, non ? Non. Ok. Ici, est-ce qu'il y avait quelque chose ? Ok, cartouche de fusil à pompe. Ah, ouais. Ouais. Bon, c'est con, hein, que je l'ai pas tué, le petit coquinou. On fouille là-bas, quand même. Bon, si j'étais un hardcore gamer, je ferais le marche arrière et puis je relancerai une sauvegarde et j'essaierai de tuer le mec. Bon, moi je suis pas comme ça non plus, hein. Enfin, dans une version où je jouerais de mon côté, ouais. Bon, là en let's play je vais pas faire que ça de m'amuser à on va plus se cacher là. Je vais pas faire que ça de m'amuser à comment dire, à recommencer dès l'instant que j'ai pas eu les objectifs. Mais c'est vrai que normalement, si, je crois qu'on a 10 000 pesetas, donc ce qui est bien, hein, parce que du coup, pour vous acheter des armes et tout, c'est cool. Bon. Là, j'ai loupé, c'est pas grave. Écoutez. Normalement, on peut le tuer. Mais il est quand même bien coriace, même dans la première version, c'est vrai qu'il est bien coriace, faut quand même bien y aller. Là, je lui ai balancé des grenades et tout. Bon, il est toujours resté en vie, le coquinou, visiblement. Il n'avait pas envie de mourir. Je pense qu'il est resté plus grand-chose, hein, parce qu'il a eu de la grenade dans la tronche, du fusil à pompe dans la tronche. Il a eu un petit peu tout. J'ai tout fouillé ici. Je sais plus. Là, je suis pas allé, c'est sûr. Des pesetas. Bon, on a 5000 pesetas. Hein. J'aurais pu en avoir plus. Ok, je fouille, hein. Je fouillasse, je casse, j'aime bien casser c'est cool. Une grenade, là je peux pas, ah non, j'ai cru que ça avait, brillé, mais non. Écoutez, j'ai l'impression de voir des choses alors que non. Ok. La poule, qui est une poule, du coup. On peut rien faire avec les poules, non. Ah. En...
attendez. Je suis allé ici ? Oui. D'accord, je savais pas, c'est ce que je cherchais du coup. En courant, vous pouvez casser les vitres. Ok. Bah écoutez, c'est bon à savoir, hein, parce que justement, je cherchais le truc. Bon, là, il n'y a plus personne, hein, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Hein. Normalement, on peut monter, il me semble. Je crois qu'il y a des choses. Ouais, il y a une herbe. Je peux pas monter plus haut. Ah. Bah ça fait mal. Ou ça doit faire mal. Après, est-ce que Coco, il s'est fait mal en vrai? Je ne sais pas. Hop, une petite herbe. J'ai ramassé? Oui, j'ai ramassé. Ok. Bah écoutez, je crois qu'il n'y a plus rien. On va pouvoir avancer vers la suite. Et donc du coup, j'imagine qu'on aura un point de sauvegarde. Il reste quoi? Trou dans le mur. Je l'ai vu, le trou dans le mur. T'es où, trou dans le mur? Ah oui, mais trou dans le mur, je peux pas le voir. Ah là, il y a un truc. Et là, le trésor, ben, c'est fermé, donc j'ai pas la clé, mais je crois que je peux pas l'avoir pour l'instant, la clé, on est d'accord? Non? Je sais pas. N'hésitez pas à me dire hein, si jamais vous savez, mais je crois que la clé pour ça, je ne peux pas l'avoir pour l'instant. Non, j'ai pas de clé. Je fuis. Ah! Il m'a fait peur, ce con. Il était là tout seul comme un con. Genre, il en restait un dans... planqué dans la maison. Pourquoi t'es pas allé à la messe, toi? Hein? Espèce de con. Oui, il m'a fait peur. J'étais surpris, on va dire. Il y a une spinelle quelque part, je crois. J'aimerais bien le voir. Où es-tu, Spinel? Ah, bleu velours, pardon, pas une Spinel. Et donc là, je crois que... Ouais, j'ai tout. Bah écoutez, ça me paraît bien. On va... Non, descends. Allez, on va... aller vers la suite. Bon, ce qui est bien, c'est que l'autre, il s'était pris son... Le mec s'était pris son propre piège. Alors attention, hein, parce que... Du coup, maintenant que j'ai vu ça... Pas improbable qu'il y ait encore un con qui se cache. Ah, un rubis. Ok. Bon. Là. C'est bon. Et ici. Munitions. Ok. Bon. Bah écoutez, je pense avoir un petit peu fouillé tout, hein, si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Donc normalement, je crois qu'on a un point de sauvegarde après, hein, j'espère. Parce que j'aimerais bien quand même sauvegarder. Le voilà. Ouais. Il me semble qu'avant la ferme, on a un point de sauvegarde. Ouais. Ici. Bah écoutez, ça me paraît bien pour une première vidéo, du coup de s'arrêter ici. Ouais. Bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous aura plu. Hein. Je vais revenir en... attendez, je vais déjà faire ma sauvegarde. Hop. Sauvegarder. Bon, je sauvegarde là au cas où quand même. Hein. Je fais toujours deux sauvegardes. Je préfère sur deux slots, au moins je suis tranquille. Si jamais j'ai des problèmes ou quoi, bref. Bah écoutez, on s'arrête là, j'espère en tout cas cet épisode vous aura plu. Hein. Moi en tout cas je suis hypé hein, de retourner sur ce jeu, hein, Resident Evil 4 Remake. C'est vrai que c'était un... Enfin, Resident Evil 4, c'est vrai que c'était un très beau jeu. Hein, et le remake, bah là, ça, pour l'instant je suis agréablement surpris. Hein, on a fait le village et je suis agréablement surpris. Donc bon, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, hein, comme d'habitude, à commenter, vous abonner hein, si c'est pas déjà fait, évidemment. Et puis, bah écoutez, moi je vous retrouve... bientôt, du coup, pour la suite de cette aventure. Allez, bye tout le monde.